fraîcheur de nos fontaines. Et là-bas, qui se presse? Tout va bien? Pour l'instant, oui, tout va bien. Parfait. La dernière maîtresse publique. Mais, une fois de plus, ce Casanova se lasse cette liaison. Madame de Polignac, monsieur, le bonsoir. Bonsoir. J'avais beau donner mes congés à Madame de Polignac, elle était éperdument amoureuse de mes coquetteries. Mes infidélités ne la gênaient absolument pas. Oh, mais c'est mal connaître les femmes. Enfin, enfin. La nouvelle conquête du duc est la marquise de Nesle, tout aussi amoureuse que la Polignac. Ne parvenant pas à distancier la Polignac, il jongle aussitôt avec les deux dames. La comtesse de Polignac, torturée par la jalousie, a un jour rencontré la marquise de Nesle, que tout le duc de Richelieu avait, par distraction, donné rendez-vous au même lieu et à la même heure. Au lieu de s'en prendre au duc, les deux amoureuses décident de s'affronter. Elles se battront au pistolet. Elles poussent le duc en dehors de la scène. Madame, la descendance vous affrontez, malgré votre petite naissance. J'ai choisi là. Vous tirerez donc la première. Mais ne me ratez pas si vous voulez continuer à vivre. Madame, même parler de ces artifices ne saurait dissimuler votre autorité. Sachez que M. de Richelieu vaut bien un duel, et que mon amour pour lui ne saurait suffire de partage. Amour, amour, ne me sous-estimez pas, bien que je fasse fi de votre noblesse. Madame. Madame. Les dames se rencontrent au bois de Boulogne, assistées de leurs témoins. Madame de Nesle, vous tirerez donc la première. Armée. Ça m'enfant. Visez et tirez.
armée. À vous, madame de Polignac. L'idée est tirée. Comme moi, la prochaine fois, je vous arracherai le cœur avant de vous brûler la cervelle. Madame, vous pouvez ainsi insulter votre ennemi que vous avez blessé. Sa valeur doit vous la faire estimer. Pauvre sot, ce n'est pas à vous de me faire la leçon. Je triomphe de ma rivale. Comment, madame, cet amant valait bien la peine? Oui, ma chère. Il est digne qu'on réponde pour lui un sang encore plus beau, celui de l'amour. Madame, madame de Polignac, à défaut de vous avoir tué, vous aura bien tiré l'oreille. Thank you.